Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 looks avec la Martine. Donc, vous m'avez demandé de faire une palette 3 looks avec la 669 de Martine. Donc, comme d'hab, quand c'est des vidéos que vous me demandez, je m'exécute au plus vite. Donc, voilà les teintes. Je me coince le bon dedans. Je vous remets le swatch in make-up en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller voir. Ça vous fera toujours un make-up de plus. On commence par celui-ci qui est un Foxy Eyes parce que je trouvais qu'elle était aussi bien pour ça. Toujours dans le dark, hein, forcément, c'est le thème de la palette. Donc, on ne peut pas faire autrement. Je vous ferai également, je vous ai demandé sur Insta si ça pouvait vous intéresser, le make-up que j'ai fait quand j'ai été voir les filles. Donc, je pense que ça sera le dernier ou le deuxième. Je ne sais pas dans quel ordre je vais les tourner ou peut-être demain, enfin, le deuxième. On verra bien. Donc, voilà, je ne vous remets pas les swatchs puisque vous les avez dans la vidéo qui est en barre d'infos. Mais je me rapproche. On attaque tout de suite ce premier make-up. Donc, j'ai déjà mis mes petits swatch et on va attaquer direct notre Foxy Eyes. Je prends un pinceau pour le ras de cils. Donc, j'ai creusé... J'ai accentué mon creux avec mon bronzer et j'ai mis du fard beige partout. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec le mercredi. Je crois que la dernière fois, j'avais utilisé le... Il ferait bien de faire réviser sa voiture, celui-là. J'avais utilisé le Annabelle, donc on va tester le mercredi. Et pour commencer, je fais un... Bah, une espèce de trait de liner au fard. On l'entend encore la voiture. Donc je commence tout de suite à blender. Oh, il s'égratte vraiment tout seul ces fards. Avec un pinceau plat mais assez souple, je vais prendre le Hildegarde ici en dessous pour blender le noir. Je réintensifie un peu le noir. J'essaie de rester plus proche du ras de cils. Et je termine avec un coup d'estompeur propre. Alors ensuite, je vais mettre un duochrome par-dessus. Et je vais mettre le... Là, j'hésite. Je vais mettre le Médusa. Je crois que c'est mon préféré. Il est mauve et vert. Il est splendide. Donc, je mets ça sur ma paupière mobile. Je blend. Oh, le duochromage de cette palette, c'est un truc de fou. Avec un petit pinceau précisé. Je vais prendre mon highlighter Norn de chez Odden Eyes, qui est dans les teintes bleu, rose, mauve aussi. Je vais mettre ça en coin interne et sous le sourcil, parce que ça manque clairement... de fard pour le coin interne, je trouve. Pour le sourcil, j'y vais au doigt. Je vais faire mon trait de liner tant que j'ai mon swatch. Voilà pour le liner. Donc, on peut enlever le swatch. Il fait chaud là-dessous. Alors, je vais faire mon ras de cils pour commencer. Je vais d'abord mettre mon crayon noir pour commencer. Donc là, je prends le Catrice. Muqueuse supérieure et inférieure. Et je vais commencer à esquisser ma bascule avec le crayon. Et donc je passe au ras de cils, je reprends le pinceau là et la teinte Mercredi. Et avec ce pinceau là, je reprends la teinte Hildegarde pour dégrader. Et voilà. Mascara, je pense que je vais mettre un petit stempel, je ne sais pas encore lequel, je ne sais pas où, rien, vous verrez ça après. Sur les lèvres, je vais mettre le Androgyny de Jeffree Star. Je viens vous remontrer ce que ça donne et on peut passer au look numéro 2. We'll be right back.
Alors, pour ce deuxième make-up, j'ouvre ma palette. Je vais utiliser le Rebecca et le Sabrina d'office parce que c'est deux teintes que j'ai très envie de tester et que j'ai pas encore testé. Voilà. Alors, je commence avec un pinceau boule, mais assez petit. Et je vais commencer avec le Sabrina, donc qui est ici, le premier fard, qui est un kaki clair. Et je vais mettre ça dans la partie externe de mon creux, enfin dans la moitié externe, je vais faire moite-moite. J'ai peut-être pas choisi encore une fois le meilleur pinceau. Il est magnifique. Je reviens ici sur mon coin externe, hein, mais pas en ras de cils. Et je dégrade. Et j'en mets en ras de cils inférieur, mais en partie interne. À la moitié interne. Je décale. Voilà, alors ensuite je prends un autre pinceau et je prends la teinte Rebecca, qui est le vert ici. Et je mets à la suite, oh il est beau aussi, oh j'avais trop hâte de les tester les verts. Hein. Donc je dégrade les deux teintes entre elles et je mets en ras de cils en partie externe. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a rien pour dégrader. Donc, je vais dégrader tout simplement les fards tout seul. Mais comme ils s'estompent très bien, ça passe. Donc, je commence par le plus clair. Et ensuite, le plus foncé. Heureusement qu'il se dégrade bien. Parce que c'est vrai que ça manque un peu de teinte de transition. Mais ça se dégrade tout seul, donc ça va. Moi, j'ai mis mon fard beige, hein, comme d'habitude. Alors, ensuite, je vais prendre un pinceau plat et j'ai pas testé le marron encore, je crois. Non. Donc, je vais prendre le Serafina, ici, le marron, pour mettre sur ma paupière mobile. Ouh, j'aurais pu blender ma base. Je dégrade d'abord avec ce pinceau-là. Pour étendre le marron avec la tranche, je fais vraiment mon ras de cils mais très proche des cils et je redégrade. Je vais d'ailleurs rajouter un petit peu du vert clair pour qu'on le voit quand même, hein, sinon on le voit plus beaucoup. Et je fais pareil avec le Sabrina qui est le vert le plus foncé et je redégrade. Et j'en profite aussi pour dégrader mieux le marron ici. Avec ce pinceau là. Alors je garde mon pinceau plat que j'y suis. Je prends juste l'autre côté. Et je vais prendre le attendez, hein, je réfléchis. Je vais prendre le Zelda ici. Donc le vert à côté. Que je vais mettre sur la partie interne, externe de ma paupière. Je prends un autre pinceau plat et je prends le... je vais reprendre le Médusa. Non, allez, on va prendre le Euphénia, ici. Il y a aussi des sous-tons verts pour changer un peu, mais le Médusa, c'est mon préféré, je crois. Je le mets sur la partie interne. Je dégrade les deux teintes. Je me suis foutu du fard dans l'œil. Allez, duochrome, c'est des pépites là-dedans. Duochrome, multichrome, tout ce que vous voulez. J'adore. Alors, je cherche un pinceau pour le coin interne. Et je vais prendre le Freya, du coup, parce que bon, bah, c'est le seul qui est assez clair pour mettre en coin interne. Hein. Pas très clair non plus, entre nous soit dit. Je prends mon autre pinceau plat que j'essuie aussi et je vais prendre le Freya aussi pour mettre au centre. Et bah écoutez, je pense que pour les fards on est bon. Après, le coin interne n'est jamais assez clair, je trouve. Alors attendez, je vais prendre le Get Wet de Be Perfect avec un nub mousse.
Ah, c'est tout de suite mieux. C'est vraiment dommage, il manque une teinte pour le coin interne. D'ailleurs, j'en mets sous le sourcil, vu qu'on n'a pas de teinte de transition. Ça fera un joli dégradé. Ah, on se rapproche des fêtes, on peut mettre des paillettes. J'en mets un peu au centre aussi. Et hop, ça y est, on fout. Voilà. Donc là, je redonne un petit coup pour blender les paillettes. Et vous voyez que même sans fard de transition, ça se travaille divinement bien. Je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Je fais un trait de liner et je reviens parce que je pense qu'on va peaufiner un peu avec du liner coloré. Faut quand même que j'utilise mes Glisten. Alors, je prends ma palette Glisten et je vais mettre... Quelle couleur? Je vais mettre du vert, hein, je pense. Mais est-ce que je mets plus du kaki ou du vert un peu plus peps? Je ne sais pas. J'hésite entre celui-ci ou le kaki ici. Bon, allez, je vais prendre le kaki. Alors, je vais déjà commencer par faire mon creux. Je l'ai pas assez mouillé, mais j'ai trempé mon pinceau directement dans l'eau pour pas humidifier le pan. Je suis redescendu plus haut ici. Je suis remonté plus haut ici. Oh, je préfère quand même quand je mouille le pan. Je trouve que ça va mieux que quand je mouille juste le pinceau. Bon, du coup, il faut que je refasse un trait ici. Et je vais prendre le marron ici, le plus clair des deux. Et on fait des petits points. Ouais. Voilà. Oui, on est bien comme ça. Donc, mascara sur les lèvres, je vais mettre le NYX, non, le Vixen de chez Huda. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Et on peut passer au look numéro 3. Pour le dernier make-up, je vais faire à peu près le make-up que j'avais pour aller voir les filles le 30 octobre, que je vous avais vu dans un de mes vlogs. Et voilà, tout simplement. Donc c'est un smoky hein, de base, à paillettes, ouais, paillettes, duochrome et compagnie, avec un travail de liner. Je vais juste pas utiliser du noir, je vais utiliser une autre couleur, parce que j'ai envie, tout simplement, pour le liner. Mais ça, on y reviendra après. Quoique non, c'était pas vraiment un smoky, c'était plus un... Enfin, on va voir. Donc, je prends un pinceau boule et je commence avec la teinte Hildegard, donc qui est le gris le plus clair des deux, que je vais mettre dans mon creux, dans mon coin externe et en ras de cils, comme d'habitude, j'ai envie de dire. En même temps, je commence toujours mes make-up de la même façon, en principe, donc... Il n'y a plus de surprise pour vous. Hein. Donc je dégrade parce que toujours le même problème que pour tous les autres make-up, ça manque de teinte de transition. Mais il se dégrade tellement bien que c'est pas embêtant. Voyez, il se dégrade tout seul. Ensuite, je prends un pinceau biseauté comme ça et je vais prendre la teinte Annabelle qui est le noir ici. Donc. Doucement, hein, parce que c'est pigmenté. Et je vais mettre ça dans mon coin externe et en ras de cils externe aussi. Le noir, je vous conseille vraiment de l'appliquer étape par étape, hein, pour pas vous foirer, parce que... Voilà, quoi. Il est pigmenté, pigmenté, hein. Donc, je dégrade déjà sur ma paupière mobile. Je reprends mon premier pinceau pour blender.
J'essuie mon pinceau pour enlever les pigments. Je reprends le Hildegard pour continuer le dégradé. Le gris se voit. Et petit coup d'estompeur propre. Ok, ensuite je prends un pinceau plat et je vais prendre la teinte Tabata, donc qui est le gris le plus foncé, pour mettre sur ma paupière mobile. Sur le reste de ma paupière mobile. Je réintensifie un petit peu le Annabelle en coin externe pour bien dégrader et que ça fasse un joli fumé dans ce sens-là. Ok, je reprends mon pinceau plat que j'essuie et je commence avec le Ursula ici que je mets sur la moitié externe de ma paupière mobile. J'y ai le doigt. Je prélève un peu plus de paillettes et ça se voit mieux. J'y suis mon doigt et je garde le même doigt et je prends le Cornelia qui est ici en dessous pour mettre sur la partie interne. Ce phare est canon, mais alors canon. À tous les phares sont canon. J'adore cette palette. Voilà pour les phares. Donc ensuite j'avais mis le l'highlighter sur la paupière, sur le coin interne et sous le sourcil. C'était le Oh The Nice. Mais là, je vais prendre le Kimchi Chic, le Pearls Gone Wild en teinte Hope. Donc, je prends à l'embout mousse. Sinon, ça ne se voit pas beaucoup. Avec mon doigt. Donc là, je vais quand même prendre un propre parce que je suis un peu caca. J'en mets sous mon sourcil. On fait les verres luisants. On adore les verres luisants. Et j'en remets sur ma paupière mobile la partie interne. Alors, je blende un petit coup ici pour la démarcation et les paillettages. Et ici, je reprends mon pinceau. J'étire un peu les paillettes. Alors, je vais déjà mettre du crayon noir en muqueuse supérieure. Bon, je vais mettre en supérieur et inférieur d'ailleurs. Alors, trait de liner noir classique et je reviens. Donc, j'ai toujours gardé le liner sous la main, mais j'ai une mèche de cheveux rebelle là. Je prends ma palette Glisten et je vais prendre le turquoise. Au départ, je vais prendre le bleu canard, mais vu que les paillettes sont très bleues, le turquoise ira très bien. Donc, je vais prendre celui-là et je vais m'amuser avec mon liner. Voilà, tout simplement. Et je vais pas forcément faire la même chose que ce que j'avais fait pour le make-up quand j'ai été voir les filles. Mais on va faire quelque chose de sympa, j'espère. Alors, je vais commencer par mon pinceau est un peu tordu, comme la fille. Par mon coin, mon creux externe ici. Ah oui, je m'amuse, hein, je vous l'ai dit. Ces liners sont d'une qualité. Oh, je kiffe. Oui, vous voyez ce que je fais de toute façon, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer. Mamie fait mimus. Ça manque largement de petits points, non? Oui. Hein. Voilà, je pense que là on est bon quand même. Hein. Du coup, j'ai pas eu besoin de mon liner noir. Mascara rouge à lèvres, je vais mettre le Pillow Talk. Je rêve que j'ai un poil au menton, c'est bon. Le Pillow Talk de Charlotte Tilbury, on va rester dans le nude quand même. Et je viens vous remontrer ce que ça donne et on parle de la palette plus en détail juste après. We'll be right back.
Jean Dernier Makeup. J'aime beaucoup, encore une fois. Voilà. Alors, pour parler de cette palette, je l'adore, franchement, big coup de cœur sur cette palette. Comme j'ai dit pour le crash test, les deux seuls bémols que je lui trouve, c'est le packaging caca. C'est pas bien ça, c'est pas bien Martine, il ne faut pas faire ça Martine. Et le fait qu'elle ait deux noirs et pas assez de fard lumineux pour le coin interne, enfin de clair. Le plus clair que vous ayez, c'est le Freya et il n'est pas très clair. Donc, il faut toujours mettre avec un highlighter. Sinon, ça ne fait pas assez clair, pas à mon goût du moins. Les deux noirs n'étaient vraiment pas indispensables. Alors oui, c'est un noir qui tire sur le gris et un noir pur, c'est ce qu'elle dit. Pour moi, c'est un noir. Noir, noir. Point, point. Point, 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 point. Le Annabelle était largement suffisant et j'aurais préféré un beaucoup plus clair pour mettre en coin interne. Franchement, un à base blanche, multichrome, comme le Médusa ou le Freya ou celui-ci, le Euphénia. Franchement, c'est mes trois fards préférés de la palette, je crois. Avec celui-ci, avec celui-ci, avec celui-ci. Oh, je les aime tous, en fait. Et le fait qu'il n'y ait pas... Même le Bordeaux, je l'adore. Enfin, j'adore cette palette, franchement, j'adore. Après, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le dark et j'aime beaucoup les smoky, donc ça aide. Si vous n'aimez pas ça, que vous êtes plus dans le nude ou le vachement coloré, ça, c'est pas pour vous, hein, vraiment pas. Mais je ne sais même pas vous montrer. Je ne sais pas vous montrer les duos chromage. Mais oh là 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 là. Suivant comment j'ai la palette, je me dis, ah, mais j'avais pas vu ce fard-là. Mais en fait, si, je l'avais déjà vu. Là, j'espère que vous voyez le... L'effet du duo chromage, c'est un truc de fou. Ils sont magnifiques, vraiment magnifiques. Et le fait qu'il n'y ait pas de teinte de transition ne me dérange plus, parce que vous voyez qu'ils se dégradent vraiment tout seuls, les fards. Bon, après, je ne ferai pas ça avec le noir, on est d'accord. Quand pour vous avez le gris Hildegarde ici, pour dégrader peut-être le bleu, parce que je n'ai pas testé non plus celui-là. Le Bordeaux, ici, c'est un peu tendu. Mais oh, j'adore cette palette, je l'adore. Franchement, big coup de cœur. Big coup de cœur, tout simplement. J'ai rien d'autre à ajouter, j'adore cette palette. Je crois que vous avez compris. Et pareil pour celle-ci. Wow. Mamie est limitée d'orgasme, là. Voilà. Voilà ce qui conclut donc cette vidéo avec ces trois looks. J'espère que les trois vous auront plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré. On se retrouve bientôt. Je ne saurais plus vous dire quand, puisque maintenant, ce n'est plus tous les jours. Donc, c'est compliqué pour moi de réfléchir. Donc, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous.